Bonjour. Ça va? L'ancienne, toi? Ouais. J'ai des histoires à raconter. Oh putain. Des belles histoires, j'espère. En partie. 2321 km. J'ai fait quelques détours. Tu veux du caca? Tout ça pour une bière. C'est vraiment ici. J'avais tellement peur d'arriver à la fin du tracé puis en fait de remarquer que c'était pas qu'il n'y avait pas 20, il y en avait 21. Merci. Hein. Merci en partie. Pas pour tout. Merci. D'accord. Ah oui. Pas de problème, je le disais, trop beau, incroyable. Puis, section 15, je m'arrête de changer les plaquettes. Ensuite, j'arrive pas à remettre ma roue, je perds une heure. Je pars, je fais 100 mètres dans la forêt, je pète un rayon, il traverse le fond de jante. Du coup, tu blesses mort. Ok, bon, je mets une chambre à air. De nouveau, pas remettre ma roue, je perds une demi-heure. Merci. Olivier Taurier, félicitations. Merci beaucoup. Et puis après, ben, j'ai crevé les deux. Section 15, t'avais dit qu'il fallait pas la faire la nuit, j'ai oublié. J'ai compris pourquoi. Et puis après, ben voilà quoi. Chambre à air, début des emmerdes. Puis il pleuvait tellement après Autun là. Ah non, on avait que du soleil. Il pleuvait tellement. Et puis j'ai acheté des rustines autocollantes. C'est de la merde. J'avais jamais acheté ça, il faut jamais acheter ça. Du coup bah ça tenait pas sous la pluie, j'arrivais pas à les coller. Puis j'avais plus de rustine, il faisait nuit, j'étais au milieu d'une forêt. J'appelais Elodie, j'étais en train de chialer. Je disais, je vais jamais y arriver, j'étais à 200 km de la fin, je vais jamais y arriver. Puis après, le lendemain matin, je me dis, bon, je dors. Le lendemain matin, hein? Ouais. Le lendemain matin, je marche jusqu'à un village, il y avait un kiosque, j'achète de la colle extra forte, j'achète des sneakers, je fais des rustines avec de la colle extra forte puis des emballages de sneakers. Elle me dit, il y a un centre commercial, peut-être qu'il y a un magasin de vélo. Elle avait trop pitié de moi, j'étais dégueulasse, couvert de boue, parce que j'ai changé mes chambres à air dans la boue. Et elle m'a offert un café trop sympa, elle appelle le centre commercial, il y a un magasin de vélo. Du coup mes emballages de sneakers ils ont tenu jusqu'au centre commercial. Puis là j'en pouvais plus, j'ai dit au mec, donnez-moi 10 chambres à air, c'est complètement inutile parce que même en une vie je crois que j'ai jamais utilisé 10 chambres à air. Il m'a dit mais j'en ai que 8 en rayon, je peux en chercher 2 en stock. J'étais là, bon je prends 8, ça ira, j'ai acheté 2 paquets de rustine. Vraiment complètement exagéré. Du coup, je les ai mises comme je pouvais. Puis, ben, après pour faire coup, 200 km. Quoi. Après coup, j'ai crevé une fois. Quoi. Bon, je suis mauvais, je connais rien du tout en nombre de dents et tout ça, mais je sais que ma cassette était beaucoup trop petite. En gros, le gros plateau, tu t'en es pas servi? Ah, si, à fond, ouais. Au premier jour? Non, mais tout sur la fin aussi. Enfin, les journées roulantes, c'est hyper rapide, c'est trop trop bien. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu plus de boue parce que j'ai pas beaucoup de profil. Mais sinon, de toute façon, quand ça devient trop technique, je préférais pousser. Et puis voilà. Mais ouais, c'est le bon. Oui et non. Je sais pas. Je pense le vélo à Martine, là, avec des plus gros pneus, ça c'est bien. C'est cool d'avoir un drop bar quand même. Bon, en fait, le problème, c'est les shifters. Au bout d'un moment, là, ce matin, j'arrivais plus à changer les vitesses. En fait, peut-être que la trace du GPS est mal mise et que c'est ça, qu'en fait, ouais. Il fallait simplement descendre la prairie et prendre ce truc-là. Ouais. Du coup, hop, je prends mon vélo, j'arrive à le descendre. Comme c'était boueux, bah moi je me suis pété la gueule en tombant. Sympa.
pleine tortille, je me coupais la gueule sur le chemin, il faisait encore. Ah, moi j'ai passé. À droite, j'arrivais pas, enfin j'aurais jamais pu remonter, c'était comme ça, il y avait des ronces qui m'attendaient en haut. Du coup, j'ai continué. Le chemin, il faisait que 10 mètres. Après, c'était genre un sentier pour pêcheurs. Il y avait un truc, il y avait un. Genre un panneau qui disait pêche, machin. Donc je disais, bon, ok, c'est des humains qui ont fait le sentier, déjà, c'est cool, c'est pas des biches. Et. Bah, je le continue, je me reprends genre encore plein de ronces. Et je suis enfin arrivé sur une route. J'étais genre à 30 ou 50 mètres de la trace, je sais pas. Mais. Ouais, c'est la route que je visais. Ouais. Ah, mais mec, il fallait genre tomber. Ouais, il fallait descendre, il y avait un méga. Ouais, et bah voilà, moi j'ai réussi à descendre mon vélo, ensuite je suis enfoncé dans les ronces et voyant que ça passait pas, je me suis dit ok, je vais re-essayer d'aller passer dans l'arbre. Et sauf que j'ai pas retrouvé mon chemin en arrière, il y avait trop de ronces. C'est pour ça que j'ai pris sur le côté en me disant ah mais non, mais la trace elle doit faire comme ça, elle doit passer en champ, c'est logique et tout, ça doit être le chemin. Et qu'en fait c'était absolument pas le chemin. J'aurais pas aimé passer là de nuit, parce que déjà deux jours c'était... Moi jusque là ça faisait deux jours que mes cicatrices cicatrisaient justement, enfin le truc, nickel. Et là je suis passé dans les ronces, à chaque fois ça arrachait les croûtes et tout, je dis ah. Sinon ton meilleur moment? Le meilleur endroit? Ouais, meilleur moment. C'est hyper chaud comme question. De Autun à Toulon-la-Roue, j'ai recroisé Julien et on a roulé ensemble. Et en fait, moi, je pense, c'est 3500 de dénivelé. On a fait Avallon-Toulon en une journée. Et moi, j'ai jamais fait 3500 de dénivelé positif dans ma vie. Et je pensais que j'allais bivouaquer n'importe où entre Autun et Toulon. Et en fait, on s'est tellement éclaté qu'on a fini à Toulon. Et les petits single tracks de nuit qui descendaient à la fin. Julien, il avait un super bon éclairage et donc du coup je pouvais genre facilement suivre sa trace. Lui tracer et genre je pouvais être derrière. C'était roulant, s'il faisait nuit, il y avait les étoiles, c'était super bien. Et l'endroit que t'as préféré? L'endroit que j'ai préféré... Ah, c'est dur ça. Tu veux des questions faciles? Mon prénom. Non, je sais pas. Bah, le Pays Basque, c'est trop cool. Ah, c'est clair ça. Ouais. Et puis sinon, je sais pas trop. J'aime bien les collines. Dans le Gers, c'était pas mal. Si tu devrais conseiller un vélo à quelqu'un pour faire une Trail Divide, ce serait quoi? Ben, VTT rigide, avec une position agréable pour les mains. Et peut-être dans un matériau un peu plus léger classier. Parce que genre il y a l'élévation et bidon, il y en a beaucoup plus que ce qui est indiqué. Je crois que j'ai fait un petit Mont Blanc en rab. C'est quoi? C'était 37 000. Oh, mais je sais pas comment j'ai fait ça. On est quoi? C'est 12 jours là? T'as mis 11 jours, 6 heures. 7h peut-être. Attends, c'est 11 jours? On a 12 dimanches. 12 dimanches? Ouais, je suis parti. Ah oui, bah oui. Ouais. J'ai mis 11 jours? Ouais, 11 jours, ok. Arrête. Ouais. T'en as passé? Tu peux refaire un tour? Sûr, attends. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. T'es parti de 11? Je crois que je suis trop fatigué. T'es parti de 11? Ouais. On est le 12. Donc 12, dans un jour, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Putain, t'as moins de doigts que moi. Wouah! Et c'était 37 000 de dénivelé? Ça, tu le dis pas, c'est au briefing. Du coup, il m'a aidé à remettre les chambres à air. Surtout, j'arrive au magasin, je lui dis je veux 10 chambres à air. Je veux plus avoir de problèmes jusqu'à la fin, rien à foutre, j'en prends 10. Il m'a dit ouais, mais je dois aller en chercher en stock, j'en ai que 8. Bon, donne 8. Je suis retrouvé quand même. J'en avais 3 autour, j'ai mis que des Colson sur mon cadre et tout. J'en avais dans les sacoches. Puis au final j'ai crevé une fois ce matin. Bientôt tu vas voir sur French Divide Rider, revends cette chambre à air. Attends, t'as réussi à survivre toutes les ronces? Ouais. Alors que t'étais genre avec des chambres à air? Ouais, non, je suis parti en tubeless. Ah ok. Ouais, j'ai crevé à 2000 kills. J'ai dû changer, enfin non, juste avant le CP3, j'ai pété les deux tubeless. Puis depuis là j'étais en chambre à air. Sur 20 kills, j'ai niqué les deux tubeless. Mais hier, il y a un mec qui a pété deux pattes de derrière sur 10 kills. Ah, putain. Deux fois! Des mecs qui partent à deux et qui arrivent à deux, t'en trouveras pas beaucoup, hein. Oh, la
n'a pas couché ensemble. Ça, c'est vous qui le dites. Pas encore. Ah, c'est pour le final. Ou pas? Non. Fais-moi la photo s'il te plaît. Me fais pas chier, elle est pleine. Ah putain. C'est toujours 200 grammes de gagné. C'est tout, ils avaient que ça à proposer. Bah ouais, c'est bon hein. Ah la vache. Vous n'êtes pas fatigué? Bah écoute, on... Ça va? On a gardé tout pour la fin. On n'a pas posé le pied à terre. On a tout sorti aujourd'hui. Ah ouais, t'as tout donné. On a tout donné. Bam. Bim. Juste un tendon d'Achille en moins depuis hier. Donc il a fallu tout monter sur là là. Putain, mes chaussettes toutes blanches. Merci. Toi aussi. Tu marches comme un canard. Non, moi j'ai pas roulé, mais... Depuis... avec ma compagne. D'accord. Bien joué, Julien. Merci, t'as bien joué. Tu veux un ibuprofène? J'en ai pris un suppos. Moi j'en ai plus, je sais, parce que genre, j'ai trop mal à l'estomac. Donc j'ai tout monté en danseuse aujourd'hui. C'était que de la danseuse. C'était l'horreur. T'en fais une belle. Qui c'est qui vient avec ce vélo-là? Il a pas. Un beau vélo, ça. Ah, merci. Genre, t'as dit, il y a 3 ans, on était tous. Ok, d'accord. Ouais, mais en fait, on sait plus qui est. Et il me reste un ustre, je ne l'ai pas mangé, putain, je suis dégoûté. Ah. Comme des mois. Ah, celle-ci? Ouais. On a dormi jusqu'à... on a roulé à 8h du matin. Ouais. On a attendu que la pluie tombe, on arrête de tomber, puis en fait... Mais mec, bon, moi, ouais. J'ai dormi dans une grande, je me suis levé à 7h. Bravo mec. Bravo. Allez, c'est terminé les conneries de Divide. Non, non. Pas plus de 1000 km maintenant. Mais terminé. Je me mets au tricot. La connard divide aussi, je pensais nous inscrire. Ah, mon avis, on va être très très bon dans la connard divide. Bon, on a plus d'affaires propres. Tiens. Et on avait envoyé quelque chose. Merci beaucoup. Ouais. On s'était vu en 2016. Félicitations, ouais, mais je ne remets plus les visages. Désolé, c'est encore vous? Ouais, désolé. Bon, j'ai refait. Santé. C'est là, on va pas toucher le bord. Hein, à votre. Ah, il y a des cons. Hein. Putain, on est vraiment les connards. Ah, je l'ai dans les chiens. Elle avait la pression. Avant, elle était en bouteille. Voilà, t'as vu ça? Et on est venu parce qu'elle était à pression. Voilà, et moi, on a changé de braquet comme vous voulez passer la pression. T'es passé à... Bon, putain, elle a fait chaud en plus aujourd'hui. Il paraît, ouais. On va avoir plein de flammes l'année. On est où le grand... En Espagne. En Espagne. Il va aller chercher du rhum pour le pont samedi. Ah, ok. Il y a du monde ou quoi, lui? On vous a envoyé un paquet, un colis. Ouais. C'est qui vient de l'an.
Ouais, je sais pas, j'ai deux colis. Il y a deux colis. Putain, ah, c'est bon ça, c'est gros colis. J'ai un slip propre. J'ai un slip propre, c'est cool. Non, non, il y a deux colis. Par contre, j'ai pas de pompe. À quel nom il sort j'ai ouais, vous colis. Inquiétez pas, s'il y a les pompes, on va les prendre. C'est quoi les noms par contre? C'est. C'était Stéphane David. C'était écrit c'est dessus. Stéphane David, voilà. Lan, L-A-O-N. Picardie. Stéphane Lan. Ouais. Lan, Lan. Le Lan, Lan, sa ville. Ville de Lan. Ok. De toute façon, je vais descendre les deux colis. Il y a un pour vous, peut-être. Ouais. Chez Patrick. Cool. Oh, j'ai les pieds ruinés. Toi aussi, t'as les pieds ruinés? Non, non, ça va, tu vas bien. Allô? Y'a que ça comme gens? Ils sont où les autres? Y en a qui doivent dormir, y en a d'autres qui sont repartis. Ah, dormir, c'est une bonne idée ça. Ah, d'accord. Eh, on boit une bière? Allez, c'est parti. On peut vous en reprendre une? Je suis le tavernier. Je sais. Je suis pas médecin. Je fais du bien au moral, ça c'est sûr. Sans le vouloir, mais. Vous me la mettrez sur mon compte? Attends, viens, il faut faire une photo. Viens, une photo avec Zoé. Carl, je sais plus, excuse-moi. Carl. Allez, on peut avoir une photo avec Zoé et avec Julien ou pas? Moi, avec des bonhommes en sous-vêtements. Hein? Par contre, tu te mets torse nu comme nous. Pardon. Tu te mets torse nu comme nous. Hein? Ah, bah la photo, parce qu'on se la travaille depuis la Belgique quand même. Ouais, j'ai remarqué qu'elle vous avait lâché du coup. Hein? Bah attends, elle ouais, nous bah, attends, mine, hein, c'est la meilleure. Elle nous a trouvé insupportable. 26 ans. En même temps, je la comprends. Moi je pensais pas que j'allais vous rattraper les gars. C'est vrai. Ouais mais c'est parce qu'on a dormi. Mais mec moi je... Tu nous as mis les stockades. Mais t'as raison c'est bien. Ouais et puis je me suis arrêté pour me faire un petit nettoyage de boîtier de pédalier. Genre... Mais oui parce qu'on t'a vu à Lourdes, enfin on t'a pas vu mais à Lourdes en fait une demi-heure avant t'y étais. Ah ouais moi tu sais toutes les semaines je fais nettoyer mon boîtier de pédalier et remonter. C'est une tradition. Et ben là on a vu le mécano. Et ben nous on a mis des freins parce que sinon on serait dans le ramas. Ah moi j'étais au 10, j'étais à la ferraille. Ouais mais en fait ce qui est étonnant c'est que... J'ai pas de derrière. Bon c'est quand tu veux hein, Marcel. Ah oh bah, tu étais prêt mais en fait t'es pas prêt. T'es en balle mais pas très vite hein. Il tourne avec. Voilà. Bouge pas. Voilà ok c'est bon on y va cette fois. Allez. Hop on y va. 1, 2, 3. Voilà. Je ferais croire au contrôleur, c'est un tableau. Ouais, il passe par en dessous. T'es plutôt braque. On va s'arrêter. T'as perdu un rizlon. Flûte alors. On en a emballé des vélos. Hein. Et pas que des vélos. Hein. J'aurais préféré emballer des gonzesses. Hein. Et voilà, ça c'est un vélo qui va aller en dessous. Attends, un truc super dangereux. Ah, le guide, ouais, le fou. Tendu de bras. Ah, le guide, ouais, là, descend. Attends. Hop. Tu mets le sième et tout, j'ai... coupé ça, cette merde. On pousse aussi beaucoup sur neige. Ouais, il reste de l'eau, t'as trop chargé, non? Non, j'avais peur d'être juste à l'eau. J'avais la secours, là, mais j'ai hésité à me délester, ouais. Bon. Je ça. Thank you.
Alors Zéro. Ouais. Incroyable. Bon, tu t'es fait plaisir sur la fin, il y avait de la route. C'était trop par bien. Contre, t'as, la première montée, t'as vu? Laquelle? Bah, de la dernière trace. Tu t'es posé des questions, je suis sûr. Ouais. Avec les marches. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, c'était une belle petite randonnée. Bien, hein. Franchement, une belle petite promenade. Ouais, top. Super. Dur, mais c'est top. Je suis sec. C'est bien, il y a de la bière ici, c'est bien quoi. Ouais, ouais, bah parfait. En plus, vous arrivez à l'heure de l'apéro, c'est génial. Ça fait un moment qu'on attend cette bière là, tu vois. Il y a un petit avant-goût CP3, mais là. T'as pas vu, t'as tiré la bouffe sur les derniers kilomètres. Putain, là, on a bien. Depuis. Ouais. Ouais, vous avez dit c'est bon, il reste 15 km, on va envoyer. Ouais. Et là, tu vois le dernier pétard. Putain, enculé. Là, celui-là, il fait mal. Bravo. Bah bravo à toi aussi. Ouais, fantastique. Bien joué. Bah, je crois que ton pneu derrière il est mort. Hein. Ah bah là ouais il a fait son. Il a fait sa mine. Ouais. Il est. Ouais. Bah tu vois ça tombe bien pour la fin, c'est impeccable. Non on s'est dit, Non franchement c'est top parce que vous avez fait. Bravo. Ah c'est bien les gars. Ouais, on a mangé. Ouais, écoute, ouais. Si on vous a dit que vous arriviez au début, vous auriez cru. Ah Nicolas, hein? Ça va vraiment plus que t'en arrives au bout. Non ouais ouais ouais. Non non ouais. C'est bon maintenant, il y a une poubelle là-bas dans la poubelle. Ah ok. Je pensais prendre mes sacoches et faire un gros feu aussi. Ouais, c'est pas mal hein. Non ouais, vous avez assuré les gars, c'est clair. Alors le vélo a tenu bon? C'est bah ouais ouais nickel. Super. Ouais. Bien content. C'est validé. C'est pas du caminade, pardon. Excusez-moi, c'est pour moi que ça rentre dans le commentaire. C'était d'arriver à l'heure pour boire un coup avec vous. Ah ouais. Tu rigoles. Ouais, bah je trouve que vous avez pas été très motivé, nous ça fait 5 heures qu'on est arrivé. Ouais, on a vu. Ah ouais, vous avez toujours dit. On était à Saint-Jean-Pied-de-Port en train de boire des coups pendant que vous étiez arrivés. Ouais. Ah, on s'est dit un café, un sandwich, un café, un sandwich. On a pas le ouais, vous avez pas arrêté. Ah, on a pas ouais, arrêté. Non, on a, moi j'ai dit à Stéphane, si je m'arrête, je dors. Par contre, nous on a pas traîné là depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on a... voilà, ça on va tout bien. Donné, on a tout donné à la fin. C'est faut on tout s'est mis la dans fin. Le rouge dès la première montée. C'est cramé là, c'était n'importe quoi. T'aurais cru la course du dimanche on, matin. Ah, c'est ça, ouais, c'est le challenge. À Lourdes alors. Ah oui, il a tout fait, il a dévoilé la roue, il a. Mais on est reparti avec un grand plateau. Ouais, on est reparti super tard. Ah, on est parti à 17h, ouais. Mais après, vous êtes arrivé à peu près en même temps que nous, vers Bizet ou Bury ou... Ouais, c'était quoi, au jeu les bains avant au jeu. Au Nieu-les-Bains. Au Nieu-les-Bains, ouais. Mais vous étiez, ouais, vous avez dormi loin de là. Ouais. En fait, on a trouvé un petit camping à la ferme. Ah, un petit refuge, petit dortoir. Ah putain, bien. 10 balles. On a dormi comme ça. Non, on a dormi comme des gitans sous un porche. Et les 4 vélos, ça tient pas dans la bagnole, là. Ah, mais il reste rien là. En gros, il reste un gros tapis. Ouais. The last cream it. It's terrible. Non, mais on va mettre les quatre vélos là dans la voiture. Avec les trackers, ça doit le faire. Tu roules doucement, tu vois, pour que ce soit plausible. Bah, on met que les trackers. C'est sorti les yeux quand même. Eh hey, Seb, fait, hein. Seb. Ouais. Puis celle-ci, tu descends tout droit, c'est tout bon. T'as pas besoin de pédaler. Ouais, t'as trois petits jours tranquille. Ouais. T'arrives, facile. Merci Seb. Merci. Oui, la dernière, elle est. Bravo. Merci Sam. Merci. Bravo. Sacré bambé. Bravo. Bravo. Félicitations. Ah, c'est à vous, félicitations. Ça va tuer les chiens. Good job. Eh hey, Patrick. Félicitations. On fait quoi demain? Camarade. Bravo.
Maintenant, une pinte de bière, et ça va être cool. Et après, il y a le cigare. Ah bah oui, c'est vrai. Mais d'abord, je vais chercher une pinte de bière. Tu m'as fait rêver, j'ai fait. C'est super cool. Ah ouais. Hey, bravo, oui. Bravo. Bonjour. Bonjour. Allez. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me servir une pinte de bière, s'il vous plaît? Félicitations, et bienvenue. Merci. Pays Basque, félicitations. Merci. Allez, je vous la sers de suite. Je peux la régler un petit peu plus tard, mais là, on a besoin. Michiga, bien, ça marche. Ouais. Allez, profite-en. Allez. Doucement, doucement, doucement. Que c'est bon. Ouais. Au final, il resterait des cheveux. Toi, le support de pompe, il a été installé pour ça. Ça. Il est encore vivant. Ouais. Il a survécu à la divide, eh ben. Ça, ça c'est cool. T'aurais pu passer la ligne d'arrivée avec ça, t'es d'accord. Je suis arrivé et je fume mon cigare. Putain. Jeff, tu as mis 13 jours, 10 heures et 55 minutes. Ouais. Wouh. Bravo. Michel. Maximilien. Oh oui, non. Oui, ils sont gentils, ils t'ont mis dans le même temps que les autres. Ah non, là c'est triché, je suis arrivé un peu après quand même. Mais moi tu me l'as pas fait. Parce qu'ils étaient, quand même meilleurs que moi. J'ai mélangé. Je suis arrivé en même temps que Jeff. Enfin, je sais pas si tu veux bien. Ah, salut. Félicitations. Merci Sam. Ah putain, c'est cool. Tu diras à tous ceux qui sont passés avant, ils avaient du temps, ils pouvaient enlever les cailloux et puis les ronces. Hein. Parce qu'il y en avait, ça j'ai dit. Bravo Mathieu. Merci. Tu l'as fait. Belle traversée. Mathieu, bravo, on t'attendait. Merci. Félicitations. Salut. Félicitations. Salut. Bravo, bravo. Ah yes. On a fini tous les trois. Ouais. Bravo. Ouais. Félicitations. Mmh. Merci. Mmh. C'est beau aussi. Félicitations. Félicitations, ouais. Merci. C'est une belle aventure. Ça va ? Une belle aventure, mec. C'est la manif des gilets jaunes, quoi. C'est un menton, quand même. Ouais, c'est mieux, c'est esprit vacances. Ouais, c'est mieux pour rouler les tongs. Comme c'était roulant, tranquille, on va préférer mettre les tongs, on est plus à l'aise. Allez, frère. Ouais. Félicitations. Félicitations. Bravo. 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 Bravo, félicitations. Bravo. Bravo. Bienvenue. Arrivé. Bravo. Enfin les bières. Enfin les bières. Ouais, il y a de quoi faire. C'est une autre épreuve. Bravo. Bon, on a mis quelque chose de décent. Alors, ça fait quoi? Tu vas passer. Hein? Ouais, c'est nickel. Ouais, on va arrondir parce que pour moi, pour calculer, c'est plus facile. Ouais, on met à 5 minutes de moins, alors. C'est plus rapide, c'est bien ce qui me semble. Supplément piquant. On peut parler quantité. On n'est pas à 5000 près. On n'est pas à 5000 près. En 13 jours, 11 heures et 50 minutes. Bravo. Bravo les garçons. Bravo les garçons. Très bien. Il est pour eux ? Il est pour eux. Oh. Ouais. Bon, alors. Le précieux sésame.
give him new tires. Non, je te jure. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de crever. Impressionnant. De là, j'ai toujours eu des galères. Quoi. Jusqu'à. Même aujourd'hui. Quoi. Ah, des bons magasins de vélo, ça court pas les rues. Hein. Bon, il est bien, lourd, il était bien. Mais malheureusement, il m'en a fait un bien, le devant, il était pas bien. Enfin, voilà, il a pas tenu. Et du coup, après, je flippais tellement là, que ça, je prenais les virages, je gardais la roue droite. Ouais, mais pas sur vélo. On va lui donner un. En plus, il a mis la roue à l'envers. Le pneu, il est à l'envers. Non, je pense pas ça. Comment le pneu, il est à l'envers. Non, quand t'as les le V comme ça. Ça, c'est le procès à l'arrière. Et à l'avant, tu mets vraiment dans l'autre sens. Ouais. On est la bière, le demi, tu vois. Ça faisait mal à la gueule. Le demi litre, ouais. Ouais. Je t'ai maudit. Violent. Qu'est-ce que tu m'as dit le soir? C'est bon, vous êtes bien, ça file maintenant, c'est roulant. Oh le salaud quoi. Oh putain. Je suis putain le frère de Sam quand même. Il abuse un peu. Culé, ouais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Pierre. C'est fait. Merci. Ah, on le refait parce qu'on l'a un peu raté. Je crois. Tu t'es pas fait mal. Non. Je sais pas, ça s'est accroché dans ta sac. Bah ouais. Oh, putain, la chute. Elle a pas encore. Je lui ai tapé dans la main, mon guidon, il s'est accroché dans la sacoche. Ah ouais, putain. C'est obligé de regarder. C'est boulant cette merde. Ça va et toi? Super. Bon, je colle un peu. Ça va, bah allez, on s'en fout. Bravo. La sacoche a servi. T'as failli faire tomber le champion. Ah ouais, je n'ai pas commencé à tourner le dos. Il en a rien à foutre de chier. Putain, comment il nous snob. Bravo. Il est où notre bisou? Il est où notre bisou? Quel star. Bravo, mec. Putain mec, tu l'as fait. Bravo. Bravo. Félicitations. J'ai enlevé mes gants pourris quand même. T'as pas la peine. Ouais, s'il te plaît. Putain, on t'attend depuis un moment. Bravo. 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 C'était comment les dernières là? Les dernières? Ah, ça va. Tu t'es pas arrêté au village là? T'as un plateau? J'ai hésité. Moi aussi j'ai hésité à choisir. Ouais. T'as pas eu besoin. La dernière très grande, la dernière très grande, c'était Sapi. J'en pouvais plus. Bien joué. Félicitations. Bravo. Je suis briefé. Félicitations. Bravo. Oh, bien, Vincent. Ouais, c'est sympa d'arriver ici, tu vois. Hey, yeah! Je vais pouvoir me laver. Je vais pouvoir laver mes fringues. C'est bon ça. C'est la fin du commando Bécuve. T'arrives à point? Ouais, nickel. Non mais je me suis dit que Dieu ça va rien. Un peu déçu. Bien joué, félicitations. Merci. Bon, alors. Bon, on voit les coups.
Ouais, on va bien. Ouais, ça va. On vient juste de commencer. Ouais, ça va bien. Bon, et alors, combien de crevaisons entre le moment où t'as laissé? Deux. Ouais. En fait, j'ai remonté ma roue à l'avant. Ouais. À l'arrière, je me suis assis, c'était plat. Allez, je roule 40 bandes. Je croyais que ça roulait sur la langue. Tiens, regarde. Ah, c'est cool, merci. Bravo. T'avais dit mieux en wheeling. Ah oui, mais... Il y avait des enfants. On avait prévenu tout le monde que t'avais... On l'a refait. On est déçus. C'est réglé ton nouveau vélo. Monte. Il est à balle, hein. Vas-y, prends-le. Bah écoute, j'ai claqué deux pneus. À la bande, t'as réparé à la bande? Non, j'ai changé. J'ai le pneu arrière aussi. Et j'ai percé deux chambres arrière, du coup. Neuf, il est déjà tout seul. Hein. Ouais. Ah, ils t'ont remis un W. Non, je les ai rachetés, le mec il ne les a pas mis en fait. Il paraît petit. Un peu, ouais, c'est un L. L, ouais. Ah, c'est un L. Ça fait petit. Putain, c'était long, gros. Ouais, on était obligé de boire des couettes en pendant. Ah bah t'es. Ouais. Tu m'étonnes. C'est que c'est pas facile d'attendre. Ça y est, 4. Le 4. Tiens. T'as pas dit, il y a un petit 5ème qui t'attend. Hop là. Ah, c'est direct. Bon. Ah ouais, là, il l'a emplacé. Il l'a cherché. Ah non, il dit 5, c'est trop tard. Ouais, bah. C'est CP fermé. Ah, mais attends, je voyais les voyages arriver, j'ai dit putain. C'est celui-là. Non. Je prends l'autre. Non. Ma caille. Oh putain. Non, c'est pas celui-là, c'est encore l'autre. Non. C'est celui-là. Oh, enculé, quoi. Ah, putain, mais jusqu'au bout, quoi. La dernière fois, je s'appelle même pas Mandian, mais c'est la corne, je sais pas quoi. Putain, mais c'est affreux. Tu dis, non, mais ça finit quand? Tu regardes le compteur, tu dis, non, mais 1,5 km, non, mais il y a une erreur là. C'est un miles, il y a tout qui va pas là. Oh putain. Tu dois voir la fête à Bakaï? Ouais, c'est encore à boum là-bas. Ah ouais? Bon courage. Allez. Non. Oh, allez. C'est bon ça. Ça, ça réveille. Un autre. Allez, un autre. Tu as fini ce petit périple en 13 jours, 17 heures et 25 minutes. Ça va, ça va. Un rookie. Bravo. Pour un débutant, c'est pas mal. Il a pris des branlés. Hein. Quelle taille de t-shirt il faut? Médium, je pense. Médium, je te ramène ça. Ouais, c'était dur, fait bien. Allez, beau. Merci. On n'a pas dormi de la nuit pour s'attendre. Une cigarette, c'est bon. Allez. Alors, ce plaisir est arrivé quand même. Bah, c'est bon, mais la météo, ouais. Ciel bleu pour toi. Ouais, nickel. Tout est bleu. Nous, on est en bleu aussi. Bah oui, c'est ça. Ah, bravo. Hein. 26 boules, 26 pédales plates. Tout va bien. Ouais. Le choix des gagnants. Il était pas embrouillé. Ouais. De la souffrance. T'as du réseau de ta téléphone? Je sais pas. Donc
faire du vélo avec, avec la semelle, c'est pas top. Elles étaient neuves au départ, non? Ah ouais, c'était neuves, ouais. Ils sont bien, c'est, t'approches pas trop parce que ça fait les bruits. Oh, tu sais, on a encore tout fait dehors à côté. C'est bien pour la retourner. Tout dehors de ça, c'est le plein. Je me demande si c'était pas sur une preuve. On a dormi ensemble le premier soir. Ouais, après c'est tout. J'ai fait que j'ai dormi 2-3 soirs où l'été, ouais. En arrivant à 3h du mat. Le matin, bon, je suis Fred, les douches sont là-bas. Ouais. Sans fort là. Tu peux nous montrer tes genoux? Ouais. Tes genoux? Hein? Ça, c'est la charme du billard, vous avez déjà pris, c'est pour le soleil. Ah, ouais, 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 ah, déjà pris, ouais. Bon, je suis un peu sale. C'est vrai que ça fait chaud. Merci. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, je t'as pas pris de douche depuis quoi? Pas si longtemps, à Auch. À Auch, j'ai pris un douche. À Auch, ouais, ça fait quand même. Deux douches. Putain, j'ai pas les pieds ensemble, mais ça me. Woo!